poser les bougies sur la glace. Ça va être très très beau. On va donc vous laisser en compagnie de toutes ces jeunes filles et tous ces jeunes garçons qui vont vous interpréter X-Men. C'est le premier ballet du club de Grenoble pour l'opening. Mesdames, messieurs, que le spectacle commence. Ici, ce sont les patineurs grenoblois que nous sommes en train d'apprécier. Donc, les patineurs du Grenoble Isère Métropole Patinage qui sont en train de nous préparer une exhibition sur les X-Men. Voilà ce dont Peggy Fleming disait à l'instant qu'il serait peut-être leur ses lointains successeurs. Oh, on leur souhaite à tous. Forme de ballet sur glace auquel nous assistons. Préparé par les entraîneurs de Grenoble, Véronique Cartotreille et Françoise Bonnard notamment. Et voilà, parmi lesquels on reconnaît Chafik Bességuier. C'est notre petit porte-drapeau ici. Chafik qui fait partie de l'élite du patinage français. Un grand espoir qui est vraiment allé crescendo dans sa progression. Pas facile à Nelson pour tous ces patineurs de patiner devant une patinoire pleine, 3500 personnes ici. Ça, c'est vraiment un grand succès pour les organisateurs. Et comme vous le dites très justement, Lucille, ce n'est pas facile parce que quand on patine comme ça, en plus en groupe, il y a toujours d'éventuels risques de collision. C'est pas un exercice facile et pour l'instant, ils s'en tirent très très bien. Absolument.
les patineurs du Grenoble Isère Métropole Patinage qui viennent de vous proposer une exhibition sur le thème des X-Men et qui nous a beaucoup plu, une expression très moderne, Nelson. X-Men et X-Girls, hein, puisque là c'était à peu près moitié-moitié. Et oui, je trouve que c'est une chorégraphie qui est courageuse, qui est audacieuse et puis surtout qui est moderne et contemporaine. Et c'est vrai que j'aime bien ça. Et puis j'aime bien voir des patineurs vraiment très jeunes essayer de commencer à imiter leurs glorieux aînés. Alors vous, qu'est-ce que vous préférez, Nelson, puisqu'on a le plaisir de profiter de vos commentaires déjà très affûtés et très avisés désormais sur France Télévisions. L'expression affûtée pour le patinage. Absolument. C'est évidemment votre grande passion aussi. Ouais. Et qu'est-ce que vous préférez justement? Est-ce que vous préférez les interprétations plutôt classiques, une école un petit peu russe? Oui. Ou est-ce que vous aimez l'audace aussi et la modernité? Disons que...